Nous sommes Galerie des Terreaux et on est en train de préparer un spectacle déambulatoire sous la forme d'ateliers participatifs. Un spectacle qui s'appellera Allez Brille et qui mettra en scène de grandes marionnettes et puis des comédiens masqués. Les premières représentations du spectacle auront lieu lors de la Fête des Lumières les 6, 7, 8 et 9 décembre. Et nous interviendrons autour du quai de la Pêcherie avec ces marionnettes qui viendront illuminer le quartier. On va essayer de mettre en scène des cauchemars et la façon dont on peut arriver à dompter ses peurs, avec un peu cette métaphore de la lumière, en éclairant ses peurs, arriver à les dompter. On a beaucoup travaillé autour de la création collective. On a ici une grosse cinquantaine de Lyonnais qui travaillent avec nous et qui sont en train de donner des idées quant à l'esthétique finale de certains des objets et qui vont participer à leur fabrication, apprendre à les manipuler et nous aider à interpréter le spectacle. Ces géants, ils sont un bon symbole du travail collectif, de ce qu'on arrive à faire en équipe et qu'on ne peut pas faire tout seul, puisqu'il faut associer, je dirais, différents talents, la couture, la soudure, la sculpture, la peinture. Il va y avoir également un travail de musique qui va commencer à partir de la fin novembre et qui va associer des musiciens de notre équipe et des musiciens lyonnais autour d'une création musicale originale. L'objectif, c'est finalement d'inviter les gens à retrouver pour quelques minutes des yeux d'enfant.